Good morgen, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Morid Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, et Risha bat Haim Nechemia. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Torayot, Perek Bet, Mishnah Bet. Hora bifnei atzmo, ve'asa bifnei atzmo, mitkaper lo bifnei atzmo. Hora im atzibur, ve'asa im atzibur, mitkaper lo im atzibur. She'en bet din chayavin ad sheyuru levatel miktzat ulkayem miktzat vechen ha-mashiach velo ba'avodah zara ad sheyuru levatel miktzat ulkayem miktzat. On traduit tout de suite. Hora bifnei atzmo ve'asa bifnei atzmo. Le Kohen Gadol... Non, excusez-moi, on ne peut pas commencer tout de suite sans rappeler d'abord le sujet. On est en train de parler, bien sûr, de deux korbanot particuliers sur le khatat, lorsqu'on se trompe à cause d'une erreur dans la halakha. Il y a le parélem d'Abar Shel Tzibour, ce qu'on avait appelé la faute nationale, que, à cause du Sanhedrin, qui ont induit en erreur le peuple, tout le peuple a transgressé. Et particulièrement, depuis le début de ce chapitre, on est en train de parler aussi avec le même principe, lorsque c'est le Kohen Gadol qui a été loin, Bechem Adam Shra, avec l'huile d'onction, que maintenant il a un statut spécial, c'est que lui, s'il se trompe, avec une faute, quelque part une erreur d'évaluation de l'interdit, il s'est mis à permettre quelque chose qui était interdit. Il y avait une certaine graisse, par exemple, ou une certaine action du Shabbat. On avait raconté dans le cours d'avant l'histoire avec celui qui essore un chiffon pendant Shabbat, et en cela, il sourd karet. Donc, si on fait ça par erreur, il faut apporter un korban khatat. Ouais, celui qui fait ça, bémézid, il transgresse le Shabbat. Et donc, lorsqu'il va faire par erreur, il va transgresser. Il devra apporter un korban khatat, un korban expiatoire, pour le Kohen Mashiach spécialement. Lorsqu'il se trompe et qu'ensuite il passe à l'acte, alors il devra apporter un par. Il devra apporter comme korban, non pas une chèvre ou brebis, mais il devra plutôt apporter un taureau, avec un rituel spécial, quoi faire avec son sang, aller asperger le sang à l'intérieur du Echal. Donc la Mishnah maintenant nous enseigne. Hora bifne atzmo, ve'asa bifne atzmo, mitkaperlo bifne atzmo. Alors, très simple, si le Kohen lui-même, il sait, pour lui-même, s'est tranché une halakha en se permettant quelque chose qui est interdite, puis ensuite, il est lui-même passé à l'acte, alors mitkaperlo bifne atzmo, il devra individuellement apporter un korban, à exclure pour le moment, si lui il se trompe et il donne une instruction à sa femme, et sa femme transgresse, sa femme devra apporter une kisba au seira. Parce que sa femme ne s'est pas trompée à cause de la Horat Bet Din. Elle n'a pas un statut de Kohen et de Gdola, bien sûr. Donc elle devra apporter un korban. Et idem aussi, si c'est quelqu'un qui l'induit en erreur, le Kohen Gadol, il va demander à son Rav, et le Rav tranche une halakha en lui permettant quelque chose qui était interdite. Et puis ensuite, le Kohen Gadol passe à l'acte. Et bien il ne devra plus apporter un korban du tout. Il a été trompé par quelqu'un d'autre. Alors qu'un Israël devra apporter une Kisba Oseira, lui, le Kohen Gadol, ne devra rien apporter. D'accord ? Pour le moment, tout va très bien, c'est clair. La Mishnah continue en nous enseignant maintenant. Hora imatzibur, ve'asa imatzibur, mitkaperlo imatzibur. On va suivre le Bar Tanoura d'abord, à moitié, qui nous dit comme ça. Si le Kohen Gadol siégeait au Sanhedrin, et tous ensemble, les 71 juges du Sanhedrin, ont tranché que telle graisse était permise à la consommation. Et ils se sont trompés. Alors maintenant, je vous pose une question. Suite à cette halakha, tout le peuple d'Israël est passé à l'acte et s'est mis à manger les graisses interdites, les graisses, par exemple, autour des reins. Ouais, chalev shalaklayut. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a réalisé l'erreur. Deux semaines après, on est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a retrouvé dans un livre que c'était écrit Beferouche, explicitement, qu'on n'avait pas le droit de manger cette graisse interdite. Du coup, bon, on va faire tshuva. On va apporter maintenant, puisque le rov, la majorité du peuple d'Israël a fauté, le Bet Din va apporter, lui, un par Helem d'Avar Shel Tzibur. Ouais, transgression nationale, on apporte un korban national. C'est clair. Question maintenant. Il y avait le Kohen Gadol qui est siégé lui aussi dans le Sanhedrin. Et lui aussi, il est passé à l'acte. Mais lui, lorsqu'il est passé à l'acte, il est passé à l'acte à cause de sa propre erreur, quelque part. Alors, est-ce qu'il faudra apporter deux korbanes individuels, deux korbanes différents de taureau, un parce qu'il y a ici le Ham Israël qui a fauté, et un autre parce qu'il y a le Kohen qui a fauté? Ou bien non, on va dire non, le Kohen finalement, cette fois-ci le Kohen Gadol, il siégeait avec le Sanhedrin, et il est passé à l'acte en même temps que le Ham Israël à cause de la faute du Sanhedrin en fait. Donc dans ce cas-là, on s'acquittera avec un seul Korban.
Et bien, si vous avez coché la deuxième case, vous avez eu raison, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Hora im hatzibur ve asa im hatzibur. Le Kohen Gadol a tranché la halakha en permettant avec le tzibur, c'est-à-dire avec le Sanhedrin. Ve asa im hatzibur. Et ensuite, il est passé à l'acte en même temps que le tzibur, à cause de cette instruction du Sanhedrin, qui était lui-même. Il a pris part dans cette erreur. Et bien, mit kaperlo im hatzibur, il s'acquitte en même temps que le peuple entier qui va porter un par helem davar shel tzibur, il va porter le fameux par helem davar shel tzibur, où le Sanhedrin va lui-même s'occuper de faire la smicha, de mettre les mains sur la tête du korban avant de l'égorger et tout ça. Ok, c'est clair. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah, elle est très simple, mais il y a juste une petite lettre qui nous embête énormément, c'est le shin avec lequel on commence. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va lire la Mishnah telle qu'elle, traduire de quoi ça parle, et puis après, on va expliquer ou non, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui veut dire ce Shin. Chaque fois qu'on écrit She-En, ça signifie qu'on est en train d'expliquer la raison de ce qui a été enseigné. Or, la suite de la Mishnah, elle parle d'un tout autre sujet, très intéressant, mais qui n'a pas forcément de rapport avec le début de la Mishnah. Du coup, ça nous a fait le Barthénois El Tosot Yom Tov, qui se tape dessus un petit peu pour essayer d'interpréter cette Mishnah. D'abord, qu'est-ce qu'elle dit, sa deuxième partie de la Mishnah? She-En Bet Din Chayavin, car le Bet Din n'est passible, Hacheyoru n'est passible que si ils vont enseigner les Vatel Miktsat ou le Kayem Miktsat, Vechen HaMashiach. Le Bet Din n'est passible d'apporter un korban que lorsqu'il prend une mitzvah, ou un interdit de la Torah, sur lequel ils vont l'annuler partiellement et le maintenir partiellement. À la différence de s'ils vont permettre complètement, lever complètement un interdit de la Torah, toute la paracha, ils vont la lever, alors là, ils ne devront plus apporter un korban. On l'a déjà appris, on va le réexpliquer. D'abord, je reste près des mots, comme ça, après, ça nous donne plus de liberté pour expliquer, sans revenir expliquer les mots. Velo bavoda azara, idem encore pour la avoda azara, le beddin ne devra apporter un korban que si, hache yoru le vatel miktsat ou le kayem miktsat, jusqu'à qu'ils vont enseigner, prescrire que telle chose est permise, tandis que telle chose reste encore interdite, et idem, donc, entre parenthèses, pour le Mashiach. J'explique d'abord un peu mieux qu'est-ce qu'il y a écrit, c'est pas compliqué, une notion très simple, si le Beit Din se lève un matin et dit « Bon, Shabbat, on n'est plus obligé de le respecter », ça semble lui dire « Non, là, et suite à ça, Shabbat prochain, c'est la grande fête, chacun prend la voiture, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de Shabbat. » Le Beit Din a annulé complètement la mitzvah du Shabbat, alors dans ce cas-là, même si le peuple s'est trompé à cause du Beit Din, on ne devra pas apporter de korban par Helem Davar Shel Tzibur. Ce n'est pas considéré comme une faute nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a le pasuk insistant en disant Vener Lam Davar Me'ene Akal. Il y a eu une chose qui a été supprimée. Un détail des halachot. Genre, Shabbat, il reste dans toute son ampleur. On n'a pas le droit de faire des travaux pendant Shabbat. Mais essorer l'éponge, c'est permis. Essorer le chiffon. Alors là, on devra apporter un korban. Mais si, complètement, ils vont nous dire non, on a le droit, il n'y a plus d'obligation de respecter le Shabbat, il n'y a plus d'interdit de manger des graisses interdites, il n'y a plus de graisses interdites, toutes les graisses, elles sont permises. S'ils vont dire ça, dans ce cas-là, ils ont complètement annulé la paracha, l'interdit du chélev, des graisses interdites, alors dans ce cas-là, on ne devra pas apporter un korban. Par contre, si sur un seul détail, alors qu'ils maintiennent le tout, mais ils suppriment un détail, alors dans ce cas-là, on devra apporter un parallèle de Rachel Tzibur, idem aussi pour la Avodah Zarah. Si on doit dire qu'on a le droit de faire la Vodazara, alors là, on ne devra plus apporter un korban national. Chacun individuellement devra apporter son propre korban, mais il n'y aura plus ici le korban national. Ça, c'est pour le Bet Din. Et on devra apporter un korban, donc que si il maintient l'interdit de la Vodazara, mais qu'il nous dit on a le droit de se prosterner devant cela, comme ça on évite d'attiser la haine des goïms. Donc là, dans un cas pareil, alors là, ils ont maintenu l'interdit de la Vodazara, mais ils ont dit que dans cette situation, c'était permis, et tout le monde a transgressé à cause du Bet Din, alors on devra apporter un par Elam Davar Shel Tzibur. Idem aussi pour le Kohen Mashiach. Si le Kohen Mashiach se lève un matin et dit « Bon, on a le droit de manger toutes les graisses interdites, on a le droit de transgresser Shabbat, on a le droit d'avoir des rapports avec une femme Nida, le même principe. » Alors là, dans ce cas-là, il transgresse, il ne devra pas apporter du tout de korban expiatoire, du tout. Même pas une Kisba au Seira. Et il ne devra apporter son part que si il dit « Il y a un interdit de Nida, mais telle couleur de sang est un sang permis. Il y a un interdit du Shabbat, mais saurer l'éponge, c'est permis. Il y a un interdit de manger des graisses, mais cette graisse-là, elle est permise. » Alors là, il maintient le tout,
et il supprime un, il se trompe sur un petit détail, dans un cas pareil, il faudra apporter le par Elem Dabar, par Kohen Mashiach. Le par, le taureau spécifique au Kohen Mashiach, au Kohen Gadol. Ça, c'était pour la suite de la Mishnah, très intéressant, très agréable. Donc ça fait qu'on a deux parties de la Mishnah. Une première partie, c'est pour nous dire, le Kohen Gadol, il se fait inclure en même temps que le Am Israël, si toutefois il faute en même temps que l'Am Israël. Et deuxième partie de la Mishnah, pour nous dire, ben, sache aussi qu'à la même condition que maintient le tout et supprime un détail, c'est sur ce cas-là spécifiquement que je te dis d'apparaître, que je dis au Kohen Gadol d'apporter un pas. Le problème, c'est de comprendre le rapport entre les deux. Apparemment, il n'y a aucun rapport. Et la Mishnah, pourtant, elle nous dit, She'en Bedin, car le Bedin, comme si je t'explique le fait que le Kohen Gadol, qui se trompe en même temps que le Tzibour, il s'acquitte avec l'expiation du Tzibour. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol lui-même aussi, il a les mêmes conditions, qui devra maintenir une partie et supprimer une partie. Il n'y a apparemment pas de rapport. Le Bar Tanoura peine à trouver un certain rapport. C'est fondé sur Rashi. Le Tosfot Yom Tov rapporte. Il nous dit que ça ne fait pas l'affaire. Il préfère dire qu'en réalité, des fois, ça arrive qu'il faut lire le Shin comme un Vav et dire que Bémet, on est passé à un autre sujet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.